À soir, c'est un épisode du Fat Pack. C'est un podcast que je fais avec des chums depuis... ça va faire 2 ans bientôt, on est rendu à plus de 60 épisodes. Juste avant, on est venu dans le coin de Saint-Pierre-les-Béquets, dans une chocolaterie. C'est une cantine aussi dans le village, chez des amis de la famille à ma blonde. C'est super cool, vous avez vu les images avant, quelques petites images comme ça, là. Mais c'est une belle place. Fait qu'à soir, je fais le Fat Pack, puis je vais me filmer un peu pour vous autres. Ça va être un peu ça, mon blog, quand je fais le Fat Pack avec ma gang de chums. Donc, vous allez voir ça dans quelques instants, ici même, sur cette vidéo-là. Si je me sens dans les filles de Caleb. Les filles de Caleb. Ah, vu là! Émilie! N'entendez pas, là, mais il y a comme un bruit de fantôme. Hein? De jouer avec l'éclairage. Ok. Je suis en bleu. Beau bleu. Doré, or, gold. Bleu, blanc. Qu'est-ce que c'est un disco? Ok, ben le podcast commence là. Je regarde là ou je regarde là? Je regarde là. Ah, bien sûr, il commence là, là. Salut. Allez, comment? Il commence. C'est le bout que je trouve le plus long, c'est d'attendre les 8 heures. 19h45, 11 branches, mais c'est d'attendre le fameux 20 heures, le chien qui jappe. Je vois dans le bas. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Hi, this is Francis. Please call me. Je te dis tout de suite, je suis en train de filmer pour mon prochain vlog. Bonjour, Marc, à mon vlog. Salut, Ben. On met le petit décor en arrière, on the road. Ben oui, je vous présente Marc Poutier-Bédard, tout le monde. Ouais, salut. Ça va, mon Marc? Marc qui est en confinement, hein? Ouais, mais j'ai une bonne nouvelle, je vais l'annoncer tantôt. Dans le Fat Pack, là, je vais annoncer ça. Ben, tu peux dire tout de suite, moi, je vais présenter ça demain. Ok, bon, ben, je peux te dire tout de suite, je retourne au travail. Quand? Oh, yes. L'école, je m'en vais charger à London, puis je monte à Halifax. Oh yeah, bye Marc. Hey, what's that? Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, des salaires, qui voulait que toutes les villes... Hey, je suis en pièce avec la garantie. Ouais, c'est ça, avec la garantie, c'est la plus belle chose que je peux te dire. Je suis retourné, je pense, un an plus tard, au même prix. Vous prenez une minute pour saluer mon monde. Ils vont voir ça. Fait que je vous présente Pascal. On a Marc Toutier. Puis il y a Botrax qu'on ne voit pas. Fait que, ça fait très, très, très podcastonomique. Mais dans mon vlog, je voulais juste vous montrer les boys avec qui. Fait que je parlais du Fat Pack. Je parle du Fat Pack dans ce vlog-là. Puis. Mais je voulais que les gens vous voient un petit peu. Là. Il manque d'autres mondes, mais à soir, on a les plus présents cette année. Là. Fait que c'est. Ben, votre axe est tout le temps là, j'ai une chance, là, mais je vous présente Marc et Pascal. Marc qui fume la cigarette, by the way. Là. Ouais, c'est ça, c'est le Fat Pack, c'est bien relax. De toute façon, t'es bien vite de parler du Fat Pack dans tes affaires, mais on va être obligé de te changer pour être plus. Fait que là, on est en pause publicitaire. Ici, c'est moi qui ici. Puis là, ma pause, je la passe avec. C'est un beau bébé-là. Ça a 10 ans, 11 ans. Il est malade aujourd'hui, il file pas. C'est pas grave, on l'aime. C'est un beau Rocky, hein, Rocky? Yes. Fait que là, dans ce moment, c'est la pause. Fait qu'on va finir le show après. C'est un peu ça. On prend 10 minutes juste pour relaxer un peu. C'est des shows de 2 heures, mais là, on a ralenti un peu la cadence. Fait que voilà. J'assistais à quelque chose de spécial l'autre fois sur l'autoroute, les fameux panneaux là, digitales qu'on voit qui affichent des publicités, mettons Rouge FM ou whatever. Là. Moi, c'est quoi la chance sur 1 million de voir ça? J'ai assisté au gars qui était branché sur TeamViewer. Quand je roulais sa route, puis c'était en gros, c'était marqué TeamViewer, puis je voyais une souris se promener. J'ai dit, c'est sûr. Je suis chanceux, j'ai vu ça, un prochain 649, c'est sûr. Je voyais le gars qui fouillait
sure? J'étais là, ben non. Puis l'autre affaire, je voulais dire, là, j'ai vu de quoi sur Internet aujourd'hui de formidable. Tu sais, les IKEA, il y a des IKEA à travers le monde, mais je sais pas dans quel pays. Mais il y a un gars ou une fille qui a mis des fameux panneaux à faire distanciation sociale avec des flèches allées tout droit. Il a fait un labyrinthe avec. Fait que le monde se sont butés à tourner en rond pour rien pendant une heure ou deux, puis revenir, puis revenir, puis revenir, puis revenir. Il a joué avec des panneaux collés à terre de distanciation sociale. La première, je vais la faire à Mike Tremblay. J'ai eu ma... Ouais, j'étais passé l'après-midi avec Mike hier à la microbrasserie, la microbrasserie La Forme du Mal, à Trois-Rivières, belle place. C'est sûr que c'est fermé avec la pandémie, mais Mike, il nous a accueillis avec le propriétaire, c'est vraiment cool. Il nous a fait visiter quand je dis on, c'était avec ma blonde. On a fait visiter l'entrepôt, comment qu'il en canne, comment qu'il fermente, tout ce que tu remarques, t'as déjà vu ça avec ce que tu transportes. Mais j'ai eu la chance de voir ça, c'était vraiment hot. Puis c'est la dernière qui restait avant sa prochaine commande, parce que les 1500 ont disparu. Puis j'ai eu le droit aussi à une coupe de Côtes. Puis en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Puis ils vont faire 3000 autres. 3000 autres 300e dans pas long. Fait que c'est ça. L'autre... Allô, je veux juste saluer les gens qui me regardent en ce moment sur YouTube parce que je suis en train de préparer mon nouveau vlog. Parce que là, j'ai ma chaîne YouTube puis je fais du vlog. Puis, comme là, je me filme pendant que je vous parle. Fait que je veux. Je pense que c'est pas que c'est quoi qui a fait toute la merde. Ben, fais-y, en début de show. Les gars. Maman, on a commandé pour 8 000 $ de stock. Si nous, on l'a fait, imaginez la population du Québec au complet. Plein de monde le font, on l'a fait. Qu'est-ce qui n'est pas rendu trivialaire pour rien, propriétaire d'Amazon, tabarnak? Non, mais je comprends pas parce que moi, à confinement, je me suis dit, je suis vraiment marié, que je fais juste pas, puis j'économise de l'argent pour avoir des économies d'un coup que j'ai chier. Moi, je sais, toi, t'es brillant. Toi, t'es brillant. Mais il y en a que c'est le contraire, dont nous autres, là. Moi, j'ai acheté des affaires, je regardais même pas c'est qui le ship, là. Comme la plupart du monde, là. Pis là, ils ont réduit mon salaire aussi. Fait que là, finalement, c'était pas super, mais là, finalement, ils nous ont dit qu'ils vont rétablir nos salaires à mi-juin. Ok, on te le souhaite. Fait que c'était pas payé. Fait que, t'sais, avec une réduction de salaire, pas si grande en plus, c'est ça, on va prendre ça cool, t'sais. Ouais. Parfait. J'ai hâte de voir ça. On va partir un concours, trouver le sticker sur la 401 du Fat Pack. Moi, j'ai commandé la fameuse poupée gonflable, du Fat Pack avec la face à Marc. C'est elle que j'attends. Attention à vous autres, je vous aime. Salut! Ah, ben oui, salut! C'est le Fat Pack, c'est ça. On a du fun à chaque semaine, c'est tout le temps cool. Donc, merci d'avoir été sur mon blog. Et ça a été un bon 10-15 minutes, je sais pas. Mais je voulais vous montrer un peu ce qu'on faisait sur le Fat Pack. Bye tout le monde, salut! Not a doctor. Shh. From your lawn.